c'est votre tour. Un jour, j'en aurai un. Je comprends pas pourquoi tu lui tires autant. Eh, parce que après, je sais que je me sentirai mieux. Oh non, un petit lion. Ça, c'est pas un lion. Ben vas-y, va voir et dis-moi ce que c'est. C'est pas un lion, c'est un oiseau poilu. On dirait un lion. Moi, je te dis que non. Laisse-moi regarder de plus près, pardon. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est un lion. Sauve-toi, sauve-toi, Pumba. Non, attends, Timon, reviens, Timon. C'est un bébé lion, il est tout petit. Ça grandit, ces bêtes-là. On peut le garder, s'il te plaît. Allez, allez, je te promets de le promener tous les jours. Je nettoierai tout derrière lui. C'est promis. Lui qui va te nettoyer, il va te manger et se servir de moi comme cure-dent. Oui, mais plus tard, quand il sera grand et fort, il sera de notre côté. J'ai une idée. Et s'il était de notre côté, qu'est-ce que t'en penses? Avoir un lion féroce dans son camp, ça n'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est vrai, alors c'est bon, on peut le garder? Bien sûr qu'on peut le garder, puisque je te le dis. C'est qui le cerveau ici? C'est moi ou c'est moi, mince? On va l'appeler Michel.